Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Et ce soir, on va parler des imprimantes 3D. Quel usage dans notre quotidien? Est-ce que c'est un produit écologique? Pour en parler avec nous, Mathieu Bezem, directeur général de Dagoma, une entreprise de chez nous basée du côté de, de Roubaix. Bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau ce soir. Et comme chaque semaine, évidemment, nous accueillons aussi Elodie Souris-Lavergne du journal des entreprises. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la carte d'identité de Dagoma. C'est une entreprise qui a vu le jour il y a presque sept ans, en 2014, et cette année-là, Dagoma lance la toute machine, la toute première machine, l'imprimante 3D appelée la Discovery 225. Collaborateurs, c'était le nombre d'employés avant la liquidation de l'entreprise, avant la, la Covid-19. Nous en parlerons, nous aurons, nous aurons les, les détails dans un instant. Depuis la création, la société a créé 25 000 imprimantes et le chiffre d'affaires en 2020, donc l'année prochaine, a atteint les 2 millions d'euros. Alors, Mathieu Bezem, peut-être une, une question vraiment tout à fait simple sur l'imprimante 3D. À quoi ça sert concrètement L'impression 3D sert à créer un objet, à produire un objet. Et donc, euh, le champ du possible est, est assez infini. On a envie de créer quelque chose. Euh, une imprimante permet, euh, par rapport à sa capacité, à euh, créer couche par couche, un peu comme les doigts d'une main, couche par couche, ouais. euh, mmh. va euh, créer en 3D. Euh, va monter une pièce et donc le champ du possible est infini et donc depuis un ordinateur évidemment. depuis un ordinateur depuis un ordinateur on va choisir un fichier qui représente de modélisation d'une pièce et donc il y a des, plein de plateformes de partage de ces fichiers là on va pouvoir choisir un fichier préparer l'impression et après prendre ce fichier là le mettre sur la, le charger sur l'imprimante choisir sa couleur on choisit on met une bobine de fil on choisit sa couleur ou ses couleurs, on peut imprimer de plusieurs couleurs et puis après, euh, on n'a plus qu'à c'est parti. parti, et laisser le temps euh, le temps de, de la machine d'imprimer qui peut prendre quelques minutes à plusieurs heures Je vous propose tout de suite une, une illustration évidemment en image, c'est beaucoup plus parlant avec euh, Dagoma, vous êtes un petit peu plus sur le credo des, des jouets on peut, on peut regarder ça Oui, bien sûr ah oui, alors ça, Il manque une pièce en fait, c'est ça. Il manque une oui, pièce. C'est on... une opération qui a, été, euh, qui a eu lieu euh, fin 2019 et qui s'appelait Toy Rescue. Euh, l'idée, en fait, c'était de la, la notion sur la réparabilité. C'est comment on pouvait euh, réparer les jouets. On se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de jouets qui sont jetés parce que euh, une pièce est cassée. Et l'idée, c'était de proposer une plateforme où on retrouvait euh, les pièces les plus euh, euh, qui pourrait être abîmés sur les, euh, les jouets en question, sur des jouets en question, etc. Donc euh, une plateforme avec un certain nombre d'objets, de, de, de jouets qu'on pouvait réparer, euh, qu'on pouvait à, à ensuite télécharger et imprimer. Demander aussi à un maker, un maker c'est quelqu'un qui a une imprimante, ça fait partie de la communauté de pouvoir euh, l'imprimer à côté de chez soi si on le trouvait. Et pour les pièces, euh, pour les jouets dont on n'avait pas la, pi la pièce, on, fait, on faisait une demande. Voir si Dagoma ou la communauté était capable de modéliser cette pièce-là et de la mettre à disposition sur la plateforme pour le bien de la communauté. Et c'est une initiative qui a bien fonctionné. Vous avez réussi à séduire le grand public avec ce service C'est une initiative, en tout cas, qui a une très belle rayonnance. Euh, on estime qu'on a, qu a pu réparer 5000 jouets. C'est beaucoup et pas beaucoup, pas beaucoup en soi, qui a eu, qui a eu un an. Euh, non, non, c'est une opération qui a très bien marché. En tout cas, ça montre qu'il y a une forte demande. Euh, on a eu presque plus de demandes de jouets à réparer et de, que nous nos capacité à, à modéliser les pièces euh, c'est surtout ça, ça illustre le fait que il euh, y a une certaine sensibilité à la réparabilité, à ne pas gaspiller, à ne pas jeter. Alors justement, est-ce que l'impression 3D, ça peut être une réponse aujourd'hui, soit à l'obsolescence programmée, soit de manière générale à la réduction, comme vous le dites, de, de déchets En tout cas, à la réparabilité, oui, à l'obsolescence programmée, oui, c'est dommage si elle est programmée, en tout cas, mais en tout cas, si une pièce casse sur, euh, sur un produit, euh, voilà, on peut la réparer. Euh, facilement, et donc plutôt que jeter, l'opération Toy Rescue en est la preuve, hein, plutôt que de jeter, bien, pensez à pouvoir réparer, modéliser. Euh... Par contre, il faut se procurer l'imprimante, ça coûte cher oui. pour nous, grand public, euh, si on veut s'amuser un petit peu euh, à la maison, il faut, faut se procurer cette machine. Et alors il faut se procurer une machine, en tout cas si on veut réaliser, forcément il faut la machine qui produit cette pièce-là. Euh, les machines chez Dagoma, ça va de 400 à 500 euros. Euh, il peut y avoir des machines beaucoup beaucoup plus chères euh, parce qu'elles sont euh, des tailles plus pour des usages plus professionnels au bout des capacités plus grandes. Euh, et après on a quelques machines un peu moins chères qui viennent de l'Asie. En tout Et cas le sur le marché... Le grand particulier. public aujourd'hui est prêt à investir, ces sommes Vous constatez que c'est quelque chose qui rentre un peu dans les mœurs, acquérir une imprimante 3D à mettre chez soi Alors de plus en plus, en tout cas il y a eu un gros boom il y a 2-3 ans. Euh, il est vrai que le marché de l'impression, en tout cas pour les particuliers, pas, pas du tout pour les professionnels, mais pour les particuliers, a, a un peu chuté ces, depuis ces 2-3 années. On voit que là, ça, on pressent que c'est en train de, de reprendre, pour la bonne raison que les gens commencent à comprendre l'usage. Oui. Euh... Mais si je veux, là on voyait l'exemple du bras cassé par exemple de la Barbie, ça coûte combien de, de refaire juste alors, ce, ce, ce petit... Cette la pièce, pièce en question, la pièce, si on prend l'exemple du bras de la Barbie, la pièce en question c'est le coût du plastique, on parle de quelques centimes d'euros. D'accord, puisqu'on parle du plastique, donc vous, les, les imprimantes de Dagoma fonctionnent avec du plastique PLA, alors qu'est-ce que c'est le, le plastique PLA et est-ce que c'est peut-être plus écolo ou pas d'ailleurs que, que d'autres plastiques utilisés bon. pour l'impression 3D Alors euh, chez Dagoma, on, on préconise le... Plastique PLA. En fait, avec les, les imprimantes, on peut imprimer tout type de plastique. Euh, depuis, euh, depuis ses démarrages, hein, depuis six ans, Dagoma a toujours poussé à faire du PLA. Euh, Alors, parce on... que le PLA, c'est. Parce qu'en fait, exactement. le PLA, c'est du plastique agricole, fait à base d'amidon, euh, donc biosourcé, euh, donc beaucoup plus propre, euh, en, en tout cas moi euh, beaucoup plus propre à, à l'usage. Et donc, ça a toujours été une vocation, en tout cas dans, dans les valeurs de, de Dagoma. Euh, de consommer propre, de consommer local euh, et durable, de favoriser et de mettre en avant que des plastiques de type PLA C un maximum. Et, et donc toutes les gammes de plastiques vendues sur, chez Dagoma sont du PLA. Et un objet imprimé en PLA, c'est durable, c'est recyclable Alors oui, complètement, c'est totalement durable et re recyclable, ça a des propriétés de plastique. Euh, plus importante que certains plastiques, moins moins performantes peut-être sur la chose que d'autres, peu importe. En tout cas pour le sujet de tous les jours, pour le quotidien, euh, on retrouve les mêmes propriétés de, de, de dureté et de durabilité d'un plastique classique. Alors Dagoma, on le disait en, en introduction, a été placé en liquidation judiciaire juste avant la, la crise économique, donc fin 2019, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé et, et quelle a été la, la suite Du coup, ça a été repris. Oui, c'était repris officiellement depuis le 1er janvier donc euh, la société Dagoma était en liquidation euh, en mars euh, 2020. Euh, suite à des différents actionnariales, principalement, pas forcément à des raisons économiques. Euh, mais la solution, euh, ne trouvant pas d'issue, de, 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 euh, d'accord entre les actionnaires, on avait décidé de liquider, donc de fermer, donc de l'ouvrir à des potentiels repreneurs. Euh, et donc, euh, avec euh, Mathieu, un autre Mathieu, c'est assez facile au quotidien, euh, avec un autre Mathieu, Mathieu Régnier on a décidé de reprendre, de faire une proposition de, de reprise qui a accepté euh, par le tribunal de commerce euh, mi-décembre de l'année de dernière en 2020 et donc officiellement la nouvelle société qui s'appelle Dago, on a été très, très, très original dans le nom, la société Dago était est, est officielle depuis le 1er janvier. Et au milieu de tout ça il y a eu la, la, la crise économique et, et sanitaire l'an dernier, ça a été une opportunité malgré tout pour, pour Dagoma qui, qui fabrique, donc qui propose ses, ses imprimantes en, en 3D euh, Oui euh, à double titre euh, on va dire parce qu'il y a eu la crise et d'un seul coup une arrêt d'activité euh, mais on, 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 on se rappelle tous de le problème de rapprovisionnement des, des, des médicaments, des, euh, des masques, des visières, etc. Et, euh, et euh, Dagoma a vite été appelé par, principalement par, par le réseau de makers, de visières, par tous les hôpitaux de, de la région pour pouvoir produire, euh, produire des visières. Donc Dagoma a produit plus de... 200 ou 300 000 visières pour les hôpitaux de la région. Et donc, ça redonnait un boom économique, forcément, à la. Act Nouvelle activité pour l'entreprise. En tout ces cas, visières, oui, exactement. Euh... En tout cas, euh, ça a permis de conforter ce qu'on pressent, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande de, de pouvoir produire à la demande, de pouvoir produire localement, rapidement. À la demande, est-ce que ça pour a changé peut-être un petit peu l'image aussi que les gens ont l'impression 3D Est-ce que ça a démocratisé ça, que ce soit auprès du, du, du grand public ou peut-être des, des PME, des TPE des Complètement, entreprises je, je le crois profondément, c'est-à-dire que, euh, pas forcément d'Agoma, mais l'impression 3D au sens, au sens large et une rayonnance autour. On, on a vu. Euh, euh, des, des, des makers euh, au coin de leur rue préparer des visières, etc. En tout cas, ça mis en évidence ce que peut apporter l'impression 3D, comment on peut produire. De manière un peu plus raisonnée. Un tout ça. petit un tout petit mot euh, concernant le l'embauche de, de nouveaux collaborateurs cette année, vous, vous recrutez On recrute, on recrute. On a un plan cette année d'une de, d'embaucher une quinzaine de personnes, euh, dont euh, 8-9 euh, sur les deux premiers mois de cette année. Euh, donc encore, il y a, y a pas plus tard qu'une heure, on venait de valider une embauche et on prévoit encore sur les euh, sur les trois ans à venir d'embaucher encore le double. Très bien, merci beaucoup Mathieu. Deuxième d'avoir été avec nous, donc directeur général de, de Dagoma, pour nous parler de ces imprimantes 3D. On le rappelle, vous êtes basé du côté de Roubaix. On revient tout de suite avec Elodie sur l'actualité du journal des entreprises. Mmh. Et cette semaine, Elodie, les conséquences du Brexit. Dites-nous tout. Alors c'est les conséquences sur le groupe Getlink qui est l'exploitant du tunnel sous la Manche. Il a publié pour l'année 2020 un chiffre d'affaires inférieur de 24 à celui réalisé en 2019, une baisse qui n'est pas vraiment liée au Brexit longtemps redouté, mais plutôt à la crise sanitaire. Si l'activité de fret de ferroviaire s'est maintenue, le groupe a enregistré une baisse de fréquentation sur ses navettes qui transportent des camions, des autocars et des véhicules de tourisme, et surtout, il fait face à un effondrement du trafic de TGV Eurostar, passé d'une cinquantaine par jour avant la crise à un seul train. Depuis. Et c'est à lire bien sûr sur le site du journal des entreprises. Et demain, comme chaque mercredi, c'est votre emploi, votre magazine consacré à l'emploi. Nous parlerons portage salarial, un dispositif pour faciliter la création d'entreprises.